Bonjour Sagittaire, pour gagner une séance privée avec moi, c'est super facile. Il faut être abonné à la chaîne, faire un like des vidéos où on voit que le petit fanion s'est marqué concours et laisser un commentaire. Le tirage se fait le 13 mai 2021 à midi, heure du Québec. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en amour, Sagittaire? Qu'est-ce qui se passe? Pascal? Pensez à autre chose, hein? Tannée. Tannée de se faire littéralement crever le cœur par des épées. Ouais. Mais vous pensez à autre chose. Super bonne nouvelle, 6 d'épée. Wow, wow. L'autre aussi. Oh, l'autre aussi. Oh. Maintenant, la carte qui vous unit. Si vous ne voulez pas tomber enceinte, faites attention. Si vous voulez tomber enceinte, clairement, vous allez avoir des enfants ensemble. Wouhouhou! 10 d'épée en ce moment. Ça, c'est vous. Ça, c'est l'autre. Vous pouvez échanger. Écoutez, bon. 10 d'épée. Ça, c'est vous, là. En train de mourir, littéralement, au bout de vos sangs. De vos sangs? Non. De votre sang. Tant bien aller. On voit-tu ici comment c'est tragique et dramatique? Puis il est comme, il est en train de mourir pour de vrai. Vous n'êtes plus capable. Il y a une situation... c'est émotif. Ça peut être familial, c'est pas obligé d'être amoureux. Ça peut être familial, ça peut être amitié. 4 de coupe. Vous êtes plus capable. Fait que vous passez, littéralement, là, c'est vous sur le beau petit bateau. Puis là, ici, c'est le passé, là. Puis ici, c'est le passé, puis là, vous pagayez vers le nouveau. Fin de cycle, vous êtes en fin de cycle, vous êtes plus capable, puis c'est vous qui tenez. Tu sais, on le voit, là, c'est pas l'univers là, qui propulse le bateau. Non, c'est vous avec le bâton, là. C'est 6 d'épée, mais c'est pas grave, c'est un bâton. Parce que, soit que vous vous rattachiez à une idée ou à quelqu'un, je pense que c'est vraiment quelqu'un, ou peut-être à un groupe d'amis, ou à un groupe, à une famille, vous vous rattachiez après... une idée que vous étiez faite par rapport à des personnes ou une personne et ça vous sert plus. Ça vous sert plus parce que vous avez perdu l'espoir que la situation change et où vous vous êtes rendu compte que ça changera pas. C'est vraiment un mouvement que vous faites. Puis c'est la fin du cycle. Si c'est pas fait, ça se fait là. L'autre personne de tous les chevaliers, c'est mon préféré, parce que les autres, je les aime pas. Chevalier de Pentacle. Il finit la course. C'est vraiment le seul chevalier. Ça, c'est l'autre. Ou vous. C'est le seul qui finit la course. C'est pas le plus sexé, OK? Mais il est stable, on peut s'y fier. Il finit la course. C'est juste qu'il est lent. Comme on peut voir, c'est un chevalier, mais le cheval, il avance pas. Mais c'est bon, parce que vous êtes en fin de cycle. Puis après la fin de cycle, il va falloir prendre un certain temps pour se reposer, puis se reconstruire, puis comme... Pensez les blessures des 10 épées qui nous qui traversent le corps et le cœur. Mais le chevalier de Pentacle va être vraiment un bon... Il y a vraiment quelque chose... Qu'est-ce qui vous relie, là? Bon, oui, c'est l'impératrice, mais c'est le 8. Par rapport au mouvement que vous faites, qui est le 6 d'épée, lui, c'est le 8 de coupe. 8 de coupe, d'habitude, c'est un monsieur en haillons qui sort d'une cave, qui s'en va vers la lune, qui affronte ses peurs, qui sort de la noirceur d'une situation qu'il n'aimait pas. Ça résonne, hein? Ça a-tu rapport? Ça ressemble-tu à votre vie? Oui, pas mal. Pour se choisir, pour aller confronter sa peur, la lune, parce que la lune, ça veut dire ça aussi, c'est la nuit, c'est la face cachée de la lune, c'est les secrets, pour aller confronter ça, puis pour se sentir mieux après, puis pour arrêter de porter des haillons. Puis, ben, c'est sûr que dans ce deck-là, c'est pas ça, mais il y a la lune encore qui est très forte. Fait qu'il y a vraiment une... Pour vous, je viens de le voir, vous l'avez pas vu, il y a la lune ici aussi. Comme ici. C'est la même lune. Vous allez affronter la même peur. Est-ce que c'est d'être tout seul? Est-ce que c'est de sortir d'une relation avec des gens, pas nécessairement amoureuse, malgré que c'est de la coupe, fait qu'il y a de l'émotion pareil. Est-ce que c'est de sortir d'une relation, dans son cas, à lui, je pense qu'il se faisait tromper, ou elle se faisait tromper. 3 de coupe, là, c'est pas... D'habitude, c'est une célébration, mais dans ce cas-ci... C'est, lui, c'est 3, vous, c'est 4, là. 4 de coupe. Fait que c'est peut-être aussi une situation peut-être un petit peu similaire où on est 3 dans le couple, mais on le sait pas. Ah, ça résonne-tu? Ça fait-tu comme? Cadeau.
Ouais, mais vous partez de là. Vous partez de là, puis c'est la fin. Pour vous, là, super, si vous êtes le 10 d'épée, là, super bonne nouvelle, vous n'êtes plus capable. Vous partez. Mais de même manière, c'est vous, le chevalier de Pentacle, que ça a pris du temps avant de partir de cette situation-là aussi, vous partez. Fait que d'une manière ou d'une autre, il y a vraiment un mouvement de sortir de cet ancrage-là. C'est un ancrage que finalement, vous pouvez lever l'ancre. Mais tout, vous avez pensé que toute votre vie, vous étiez pogné là avec l'ancre qui était là, mais dans le fond, non. Qu'est-ce qui vous relie? L'impératrice. Impératrice, c'est la fertilité. Impératrice, c'est le divin féminin, hyper bien intégré. C'est fertilité, créativité. Es-tu enceinte là-dessus? D'habitude, t'es en... Ouf! Ah, il est dark! C'est vraiment un... C'est des cartes très dark. C'est une... Comme on peut le voir, c'est divin féminin dans un cœur. C'est quelqu'un qui a une voix, mais c'est quelqu'un qui entend aussi. Tout ce que ça me dit ça, c'est que l'expérience passée, d'un bord comme de l'autre, pour vous comme pour l'autre, ensemble, ça va, c'est fertile, c'est créatif, c'est un jour nouveau. C'est Vénus aussi, hein? L'impératrice, là. C'est la planète Vénus. Fait que c'est vraiment... C'est quelque chose que vous auriez jamais cru accessible. Parce que les deux, lui ou elle, étaient vraiment pognés dans des cycles de tromperie. Et vous, dans du... Ça bouge pas, c'est stagnant, c'est... Il y a du remords, il y a du regret. Tu sais, c'est des situations comme des dead ends, là. Tu sais, vraiment un bout de chemin où est-ce qu'on voit pas, où est-ce qu'on s'en va. Puis, ensemble, si vous voulez tomber enceinte, clairement, ça va arriver. Si vous voulez pas tomber enceinte, on se protège. Ou si vous voulez pas que l'autre tombe enceinte, là, c'est, peu importe. Non, mais 10 de bâton, c'est clair. C'est comme si... Ouais. C'est la carte du temps, tu sais, puis c'est le divine timing. Ah, Seigneur! Chariot, c'est ça. Faut vivre le cycle. Faut vivre le cycle. C'est comme ça que c'est... Il faut passer à travers. Vous êtes dans le 10 d'épée, ça c'est le 10 de bâton. Ça, c'est la rencontre. C'est comme si c'est vraiment quand vous allez vous rendre compte que vous avez pu avoir ce fardeau-là sur les épaules, que ça va partir. Pas avant. C'est vraiment un choix que vous faites. Puis le 6 d'épée, c'est ça aussi. Vous êtes dans le bateau, puis vous pagayez pour partir de cette vie-là. Il y a quand même, il y a 2-10, c'est vraiment une fin de cycle. Ça se peut que ce soit créatif, parce que le feu, on le sait, c'est de la création. C'est le 10 de bâton. Est-ce que c'est une fin d'emploi? Est-ce que c'est une fin... Est-ce que vous allez aller à quelqu'un qui se retire de son emploi puis la personne va être là? C'est genre, quelque chose comme ça. C'est une fin marquée. Est-ce que vous allez aller... pas un bachelorette, mais un divorcette. Quelqu'un qui se divorce... Fin marquée, puis vous allez rencontrer quelqu'un. Quelque chose comme ça. Le temps. Sept de pentacle, c'est la carte de l'horaire de l'univers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les choses d'arriver avant. Non, il faut finir le cycle avant. Sinon, dans 7 mois. C'est pas 7 ans, là. C'est 7 mois. Mais il faut finir le cycle avant. Je l'ai-tu assez dit? Finir le cycle avant. Ensemble, le chariot. Tout bouge. Tout bouge rapidement. Puis des fois, il va falloir faire comme « wow! » Ironiquement, parce qu'on s'entend que c'est le chevalier de Pentacle. Mais, puis ça, c'est peut-être sa perception, c'est peut-être la perception de l'autre par rapport à vous, que vous allez vouloir aller plus vite que l'autre voudrait. Fait que ça, c'est à garder en tête. C'est votre... mais vous allez à des places, tu sais, vous avancez ensemble. Puis on voit ici que la lune... Oh! On la connaît un peu mieux. Tu sais, elle passe comme de la pleine lune à une lune avec une face dedans. Fait qu'il y a comme une phase qui est comme finie. Le cycle est fini. Le cycle est fini, puis on passe à une autre phase. C'est cute. Vous allez vraiment avancer. Vous allez à going places, là, tu sais. Vous allez avancer. Vous allez aller vous allez vivre des choses ensemble. Clairement, avec l'impératrice, vous vivez une vie ensemble. C'est clair, là. Mais il faut le faire, le move. S'il n'est pas déjà fait, on le fait. OK?
que ce soit vous ou, tu sais, peu importe lequel vous étiez là-dedans, là, il y a un move à faire. Il faut quitter la situation qui nous gruge, il faut quitter la situation qui ne marche plus, qui ne nous sert plus. On bouge. C'est ça que ça dit. Et j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez gagner une session privée, une session aussi, une séance privée avec moi, rien de plus facile, il faut être abonné à la chaîne, faire un like, laisser un commentaire. Pour avoir plus de chance, il faut laisser le plus de commentaires sur les vidéos où on voit avec le petit fanion, c'est marqué concours, et des likes. Like, 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 like. Commentaire, commentaire, commentaire. Oh, je suis tannée de le dire. Le tirage se fait le 13 mai 2021 à midi, heure du Québec. Bonne chance!